Afrika mo pimba e tokangi maboko tozali kotala e bana basili na kokende bana basili na koteka mai na banguna molati mokuya ata maloba te Congo na bana Afrika baleli Afrika mapimba. Bonjour mes chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est votre tutomaker Emerson San qui vous propose un nouveau tutoriel sur les astuces concernant le PDF. Donc aujourd'hui, on va vous proposer quelque chose d'autre que ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire le logiciel de Gcn. Alors donc, nous avons quatre astuces que nous allons tous apprendre ensemble. Et la première astuce concerne l'impression en PDF d'un classeur Excel. Donc rapidement, nous allons apprendre comment on le fait. Donc on vient, on enregistre. Donc, on enregistre où PDF ou XPS. Voilà. Rapidement, donc on clique sur Options. Voilà. On choisit donc l'option classeur entier. On valide avec OK et on publie. Voilà pour imprimer. Et voilà. Donc ici, nous avons toutes les feuilles de notre classeur Excel, voilà, qui vient d'être imprimé. Donc si on retrouve un peu le classeur Excel, donc nous avons janvier jusqu'en novembre, voilà, et janvier jusqu'en novembre, et donc tout a été imprimé sur un même document PDF. Deuxième astuce, nous allons apprendre comment supprimer une partie d'un document PDF. Alors, comment le faire? Donc, on ouvre notre document PDF. On vient sur Fichier, Imprimer. Voilà. Donc, on va utiliser comme imprimante PDF Creator. Voilà. Et ici, on délimite donc le nombre de pages. Ici, par exemple, on va prendre, on va éliminer les 5 premières pages. Donc, nous allons prendre à partir de la 6e page jusqu'à la 11e page. Voilà. Et donc, on valide avec OK. Et donc, il va imprimer. Mon petit, tout homme doit mourir un jour. Voilà, là nous sommes en janvier, et janvier jusqu'au 31, et nous allons attendre, donc voilà, ici, on va donner ça, et on va essayer pour faire la différence avec le fichier qui existe déjà, donc on va enregistrer. Donc voilà, nous avons ici le nouveau document qui a été imprimé, qui vient d'être coupé. Donc, au niveau du premier document, vous voyez, nous avons 11 pages. Nous avons ici 11 pages. Et si on prend à partir de la 6e page, donc ça commence à partir du c'est le mois de juin. Et au niveau du document coupé, nous allons nous rendre compte effectivement le document a commencé par juin et il ne compte que 6 pages. Donc notre document a été bel et bien coupé. Ça c'est la deuxième astuce. Alors la troisième astuce, nous allons apprendre comment coller deux documents Word dans un même document PDF. Rapidement. Donc ici nous allons imprimer. Donc avec PDF Creator. On va imprimer avec PDF Creator. Voilà. Voilà, une fois cette boîte de dialogue ouverte, on vient au niveau de mettre en file d'attente. Donc nous allons mettre ça en file d'attente. Prendre maintenant le deuxième document que nous voulons donc coller avec le premier. Nous allons encore ici, donc imprimer. Toujours avec PDF Creator. Voilà. OK.
Voilà, donc ici, nous pouvons constater qu'il a réuni les deux documents. Et nous pouvons maintenant donc sélectionner les deux documents. Voilà, ici, cliquer sur fusionner. Nous constatons qu'il vient de fusionner donc les deux documents en un seul document. Et maintenant, à partir de là, nous pouvons maintenant imprimer le document. Donc voilà, on peut lui donner un nom. Hein. Voilà, et donc, on clique sur enregistrer. Et voilà, on va le rester au niveau du bureau. Ici, nous pouvons donc constater que les deux documents ont été imprimés hein, en un seul document. Donc là, nous avons le premier document ici. Et le deuxième qui vient d'être, voilà, collé au premier document. Et donc là, nous les avons donc en un seul document PDF. Alors, c'était la troisième astuce. Et la quatrième astuce, c'est l'astuce la plus importante que je trouve. Je vous donnerai donc le temps d'apprécier le travail que nous avons fait ensemble. Alors, ici, par exemple, vous voyez, nous avons un livre ici. Et à partir de ce livre, nous avons ici les signés. Les signés, donc ça nous permet de nous retrouver facilement dans une page. Et donc, comment, si nous avons un document Word, nous pouvons le transformer ou l'imprimer en PDF et avoir ces signés-là. Donc, nous allons apprendre ça ensemble. Et j'ai un document rapidement, je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, ces documents vont constater ici qu'il a une table de matière. Et qu'est-ce que nous allons faire rapidement? Donc, on vient au niveau des signés. Voilà, donc on vient au niveau d'affichage, plutôt l'onglet affichage, et on coche donc cette option-là, explorateur de documents. Voilà. Donc ici, nous avons les signés ici, ça nous permet de nous retrouver facilement en cliquant sur. Donc, en cliquant, on se retrouve sur la page. Voilà, donc. Maintenant que nous avons présenté comme ça notre document, nous allons rapidement sur enregistrer sous PDF ou XPS. Voilà. Et à ce niveau, nous cliquons sur les options. Cliquons sur les options et nous cochons créer des signés à l'aide. Voilà, on laisse cette option à l'aide des titres. On valide OK et puis on publie. Une fois donc imprimé, nous avons notre document ici qui est en PDF et en cliquant au niveau des signés, nous pouvons retrouver également. Voilà, les signés ici. Voilà, c'est surtout pour permettre à ceux qui ont l'habitude d'écrire des documents, des mémoires, des rapports, en tout cas les gens qui ont l'habitude d'écrire des documents, d'avoir des documents bien présentés. Voilà, c'est un peu dans cette optique, leur montrer comment présenter les signaux au niveau d'un document PDF. Voilà quelles sont les quatre astuces que j'avais prévues pour vous. Je ne sais pas si vraiment vous avez été intéressé. Une chose est sûre, ça va vraiment beaucoup vous aider dans la présentation de vos documents, couper les documents, assembler les documents avec le PDF. Et dans cette optique, nous allons continuer encore de creuser un peu plus et de trouver encore des astuces encore plus intéressantes au niveau de PDF Creator. Je vous remercie. C'était ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Et nous nous retrouvons prochainement avec de nouvelles astuces.